amo. Yeah, trofo do wanjo, jo mi jo amo. Nkarabo do payapa e, jo mi jo amo. Jo mi jo amo. Les pratiquants de vaudou pratiquent le vaudou dans deux sortes. Il y a d'autres sortes qui font du bien, qui sauvent des personnes. Et il y a d'autres personnes aussi qui pratiquent le vaudou inconsciemment, qui l'utilisent pour tuer des personnes et utilisent pour faire du mal. Ici, nous sommes dans le palais du bien. Ici, nous ne faisons que du bien à des personnes. Nous gérons des situations matrimoniales, des situations au niveau des activités et consorts. Le vaudou dan est très puissant. Il est très très puissant pour pouvoir vous aider dans toutes sortes de problèmes que vous avez dans la vie. Le vaudou a une sommité très très vaste et nous adorons pour la vie et pour le meilleur. Comme on le confirme ici, le prince Afopa nous souligne quelques bienfaisants du vaudou. C'est grâce à vaudou que nous pouvons chercher les feuilles, les tisanes, les racines des plantes et les transformer en médicaments pour soigner des différentes maladies, les maladies occultes, les maladies naturelles et consorts. Donc, le vaudou est merveilleux. Le vaudou, tradition africaine basée sur les principes Bokono et Chonoku, Gardemè Pomayari, demandent aux adeptes de vaudou de bien s'intéresser à nos valeurs androgènes pour le bien-être et la solidarité culturelle. Nous avons Jo mi le jo amo, indo jo mi jo amo, yeah we.